So small, because you are the universe in ecstatic motion. Je sais qu'il était écrit conférence en français, mais en fait, elle est en québécois. Donc, je vous ai pris d'ajuster vos traducteurs. Donc, je me présente Isabelle Lopez et je n'ai pas de présentation en ligne. Donc, Isabelle Lopez, mon entreprise s'appelle My Smart Journey. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de start-up licorne et tout. C'est plutôt une histoire de bootstrapping et puis comment les équipes s'organisent autour de ça. Parce qu'en fait, quand on est une start-up, on commence, on a des ressources financières limitées, on n'a pas beaucoup d'argent, et même quand on commence à réussir, ben, en fait, on réinvestit. Comme on réinvestit, ben, on se remet un peu en situation de précarité et de danger. Donc, on est constamment là-dedans. Hein. Et puis, c'est de l'apprentissage permanent. C'est toujours la première fois qu'on fait ce type de contrat-là, la première fois qu'on fait ce type de client-là, première fois qu'on a une équipe de cette taille-là, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on s'ajuste? Juste pour vous dire, si vous travaillez en start-up, c'est super parce que ça peut vous donner des idées. Mais si vous travaillez dans une équipe d'une grosse entreprise puis que vous avez une mission hein, dans votre service ou votre équipe, ben, ça s'applique à vous aussi. Souvent, quand on parle d'une équipe, il y a toujours des espèces de légendes qui structurent la culture d'entreprise, qui donnent une idée de comment on vit dans ce milieu de vie-là, hein, parce que c'est un milieu de vie, une entreprise. Hein, on est là une grosse partie de notre vie, hein, plusieurs heures par jour, cinq fois par semaine. Donc, quand même, Donc, il y a des histoires. Et j'ai demandé à mon équipe de me faire une vidéo et je l'ai découverte aujourd'hui. Alors, c'est vraiment fait par mon équipe. Bonjour, je suis Olivia et j'ai travaillé chez My Smart Journey pendant 3 ans et demi. Bonjour à tous. Bonjour à tous, mon nom est Angélique de chez My Smart Journey et puis mon histoire à moi, c'est d'avoir commencé en tant que stagiaire au sein d'une entreprise pour avoir finalement été embauchée puis promue au poste de coordonnatrice générale. Bonjour, moi c'est Fanny et mon histoire à moi, c'est que quand je suis rentrée chez My Smart Journey, j'ai été d'abord engagée dans le marketing alors que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais parce que j'avais justement des expériences passées dans les musées, dans la culture, ben justement c'était un profil qui intéressait l'entreprise qui intéressait l'équipe et ils ont décidé justement de me faire confiance, de m'engager et de me former justement dans c'était quoi leurs besoins en marketing. La force de My Smart Journey, c'est notamment la possibilité d'avoir le ownership d'une idée, d'un projet, donc d'avoir la responsabilité de proposer une idée mais aussi de la concrétiser. J'ai réussi à atteindre ce poste grâce à mon sens de la rigueur et également à mon esprit d'équipe, à ma capacité à ce que tout se déroule bien, autant au niveau de l'équipe en elle-même, au niveau des opérations de l'entreprise et au niveau de l'espace de travail. Alors, j'ai découvert ces capacités grâce à l'environnement de travail qui nous permet de polir le diamant en nous qui se cache et puis qui pointe le bout de son nez dans les circonstances les moins attendues, dans un environnement qui est super dynamique, qui nous pousse de l'avant et puis qui nous permet vraiment de briller à notre plus grand potentiel. Grâce à ça, j'ai pu développer des compétences que ce soit en marketing, mais aussi progressivement en charge de projet et en développement des affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai le poste de chargée de projet et des communications au sein de My Smart Journey. Oui, il s'agit de savoir-faire, mais cela implique aussi du savoir-être. Voilà. Donc, vous avez vu... Donc, les membres de mon équipe qui parlent un peu des valeurs auxquelles on croit, c'est-à-dire que si tu as quelque chose en toi, ben, on est capable de le faire émerger, puis ensuite, on peut tabler là-dessus, puis développer le poste autour de ces compétences-là.
Juste pour le plaisir, voici nos valeurs. On attache toujours les valeurs par couple, en fait. Donc, un et son contraire, en fait, on allie les valeurs ensemble pour leur donner une force. Donc, oui, on est autonome, mais aussi on est responsable des choses qu'on fait. Donc, l'ownership, une responsabilisation. L'empowerment, donc sentir qu'on est capable en soi, mais aussi faire ça auprès des clients. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Donc, nos clients ont besoin de sentir qu'ils sont capables. On travaille dans des contextes de transformation numérique. Et l'empathie, donc, il faut être à l'écoute de l'autre. Clever, en tout Québec, hein, c'est anglais-français. Donc, clever et créatif, donc être intelligent, d'avoir des idées, comment on peut atteindre le 80% avec un 20% d'effort. Créatif, donc on est à l'écoute des nouvelles idées des autres. Et puis, ben, il faut avoir du fun quand on fait ça, hein, sinon, à quoi bon? Donc, on a, chez My Smart Journée, on considère qu'on a deux productions. La croissance dépend, en fait, de ces deux facettes-là, de la même médaille, finalement. D'un côté, il y a ce qu'on fait comme service à nos clients, et de l'autre côté, ce qu'on fait pour développer nos employés. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, avant d'ouvrir tous vos téléphones et vérifier, je vais vous expliquer très rapidement. My Smart Journée, c'est un outil qui sert à réinventer la communication sur les lieux publics. Donc, vous voyez ici, chacun des points est un contenu différent, donc c'est un micro-site mobile, en fait, qui va être attaché à un affichage public et qui, chacun aura son design individuel, son ton, ses fonctionnalités, son gabarit, et va être géré par des gens différents dans l'organisation. Ce qui est propre à, par exemple, nous, on travaille en tourisme, donc parfois, tu as parc et jardin, tu as patrimoine, tu as tourisme, c'est des équipes séparées, mais qui peuvent faire un produit uni ensemble. Et ce qui nous caractérise notamment, c'est le fait que nos interfaces sont hyper simples, donc il n'y a pas de formation. Donc, le dernier venu peut tout de suite contribuer, participer. C'est un principe d'action qui s'ajoute les uns aux autres. Mais on a des fonctionnalités quand même super complexes qui sont propres à gérer un lieu public. Donc, par exemple, des changements, des informations qui changent selon l'heure du jour et de la nuit, ou encore des quiz, des devinettes, des choses qui sont cachées derrière des passwords. Si tu as payé, tu le vois. Si tu n'as pas payé, tu ne le vois pas. Des photobooths, donc on peut rajouter des stickers, etc., etc. Donc, toute une série de choses, des commandes, même on travaille pour Air Canada, la commande à la table, dans les lounges. Donc, toute une série de choses qui permettent de gérer un lieu public et qui permettent finalement de maîtriser en tout temps, d'être hyper réactif en tourisme, en culture. Donc, nos clients, c'est des villes, c'est des offices de tourisme, c'est des événements, des lieux patrimoniaux, etc., etc. Donc, ce que je vous disais, c'est que d'un bord, on fait ces services-là à nos clients, qui eux-mêmes ont des clients, donc il faut avoir cette attention-là, c'est certain. Mais aussi, avec nos employés, donc la façon dont nos employés, on les développe, ça a une influence sur la façon dont ils gèrent leurs clients, la façon dont ils aident l'entreprise à progresser. Donc, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Pourquoi cette codépendance-là pour la croissance? Mais en fait, c'est que quand on a un peu plus d'argent puis qu'on met cet argent-là, entre autres, dans l'équipe, ça permet et qu'on développe les personnes, ça génère plus de capacités. Donc, on peut plus laisser aller, on a plus de potentiel, finalement. La croissance de nos activités s'opère, ce qui génère des revenus, et ainsi de suite. Donc, c'est une roue qui tourne. Alors que si on pense dans une logique plutôt de ressources humaines, donc c'est quelqu'un dont j'exploite finalement le temps, on est plutôt dans un principe de dire, bon, ben je finance pas ça. Et on va finalement favoriser les gens qui sont performants pour des tâches, surtout qui sont rinse and repeat, tout ça. Et on développe pas ça. Donc, à un certain point, si la personne part ou quoi que ce soit, bon, bref, on est plutôt dans une logique plus mécanique là, de s'assurer que la chaîne fonctionne. Mais on n'a pas de croissance qui va être liée à l'innovation, la créativité de ces gens-là. On n'exploite pas, selon moi, l'entièreté de leur potentiel. Donc, en quoi c'est un changement radical de paradigme de faire ça? C'est que, fondamentalement, on cherche à amener ces individus-là à nous surprendre puis nous apporter plus de valeur dans l'entreprise. Donc, là, ici, il y a comme une longue slide là, de plein de choses, mais en fait, c'est que le onboarding va pour arriver là, bien, premièrement, il faut bien les sélectionner, il va falloir un bon onboarding. Il y a une façon de le faire. Il va falloir aussi, surtout, une culture de l'échec, dans le sens que on ne sait pas qu'on accepte les erreurs, mais bien qu'on les encourage et même on les crée. Je vais vous montrer. Traditionnellement, dans une entreprise, je ne sais pas, mettons, on opère un café, ben on veut pas d'erreur. On veut pas qu'il facture, je ne sais pas, un milkshake quand c'est un cheeseburger ou des trucs comme ça. Donc, il y a des entreprises qui refusent l'erreur.
Donc, l'employé va avoir tendance à les cacher. Il y a les entreprises qui considèrent, en fait, que le droit à l'erreur, c'est normal. On est des humains, on n'est pas des robots. Donc, l'erreur est prévue, finalement, dans les résultats, mais elle est considérée comme quelque chose qui ne doit pas arriver trop souvent. C'est une anomalie, finalement. Et puis, par contre, quand on est dans une culture avec l'apprentissage par erreur, on est vraiment dans une logique de créer des moments pour que l'employé fasse des erreurs et puis qu'il puisse progresser grâce à ça. Donc, c'est un peu toute la culture du Lean Startup, mais vraiment appliquée au RH. Et on va vraiment créer des espaces très sécuritaires où l'employé va pouvoir se faire les dents, littéralement. Donc, c'est quoi un employé? Ben, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un robot. Alors, c'est un individu, ben, c'est la pensée, des actions, des émotions, comment on adresse ces trois pôles-là d'un individu. Premièrement, on s'assure qu'ils comprennent très bien là où on veut aller, tout ça. Donc, ça se passe dans la communication, dans les documents, la transmission. Les façons de travailler, donc les process, ça c'est quelque chose que j'ai mis un petit moment à apprendre comme entrepreneur. Les process, c'est très utile parce que ça vient vraiment conditionner l'employé, surtout quand il peut un peu être plus autonome. Ben, il faut qu'il sache c'est quoi le périmètre d'action finalement. Et l'importance de l'épanouissement personnel. Okay? Donc ça, c'est une composante qui est très, très importante pour moi. Je considère que l'entreprise doit permettre de s'émanciper. Ça doit être vraiment là, quelque chose, ça doit être un grand plaisir de travailler. Donc, c'était plus dans une logique de travail, mais c'était dans une logique vraiment d'évolution, plutôt. Je vous parlais des process. On veut formaliser les choses. Donc, on veut expliquer à peu près où est-ce que tu as le droit de bouger, puis où est-ce qu'il faut vraiment que tu suives la ligne. Donc, comment ça fonctionne. Et aussi, on a des process de cette évolution-là, de ce développement-là de l'employé. Où est-ce qu'on écrit ça et tout le monde le sait. Donc, on a des principes de transparence qui permettent finalement vraiment collectivement à donner du feedback à chacun d'entre nous et puis à évoluer tous ensemble. Très gros slide. D'ailleurs, vous allez avoir à la fin un code QR pour tout lire ça. Je me suis un peu enthousiasmée. J'ai fait, je pense, pour une heure de conférence qu'on va mettre dans 25 minutes. Alors, grosso modo, ce que je veux vous montrer ici, c'est que quand on révise l'employé, quand on fait les one-on-one ou encore quand on fait l'analyse de la performance, finalement, de l'employé, on vérifie aussi ce sur quoi il a évolué au niveau de son savoir-être, pas juste son savoir-faire. Et ces objectifs-là sont co-écrits avec l'employé en amont. Et c'est écrit, c'est signé, même surtout les jeunes. Plus ils sont jeunes, plus on écrit tout. Vraiment, donc, ils savent qu'il y a des attendus sur les deux fronts. C'est quelque chose qui est important et c'est connu de tous. Toute l'équipe est au courant de qui travaille quoi. Donc, on s'entend, on est sur du développement personnel, mais professionnel. On n'est pas en train d'essayer de faire évoluer la personne sur sa vie personnelle. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, peut être connu de l'équipe. Quelqu'un qui travaille, par exemple, sur sa rapidité sur une tâche ou encore mieux répondre aux clients ou encore tout simplement être à l'heure. Ça dépend c'est quoi. Mais c'est pour permettre de vraiment faire maturer nos équipiers. Parce que parfois, on en prend qui sont très, très jeunes, qui viennent juste de sortir de l'école. Et il y a toute une espèce de développement des compétences professionnelles tout court à travailler. Aussi, ce qu'on fait pour aider ça, c'est qu'on a des blocs de tâches qui peuvent être déplacés d'une personne à l'autre. Alors, on va avoir tendance aussi, quand même, pour donner du succès, hein, on n'est pas juste dans l'amélioration, on va aussi donner des choses qui plaisent, qui correspondent bien. Donc, on va essayer de faire du match entre l'individu et les tâches à réaliser. Et justement, comme tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à avancer puis qu'il y a à faire, ben c'est la pression d'évolution n'est pas que sur le chef, hein, que la personne qui est le supérieur hiérarchique, mais bien sur l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est pas nécessairement moi, parce que je suis en haut de la chaîne, là, qui va pouvoir dire, bon, ben c'est comme ça que tu fais. Il y a des gens dans mon équipe qui sont meilleurs sur certains sujets, qui ont plus de talent. Donc, c'est eux qui vont venir aider la personne là-dessus. Alors, dans le one-on-one, on adresse les besoins, les demandes. Et si on se rend compte, par exemple, quelqu'un a besoin d'aide pour essayer de mieux formuler ses idées ou quoi que ce soit, on va le référer à quelqu'un qui a ce talent-là déjà dans l'entreprise, qui va pouvoir faire une petite séance de coaching d'une certaine façon. Donc, on favorise beaucoup, beaucoup la collaboration. Différentes mécaniques que je voulais vous montrer. Comment on organise un espace d'erreur? Ben, il y a plusieurs... vraiment, là, c'est que quand ils arrivent, par exemple, on leur donne des tâches qui sont qu'à eux, mais que c'est pas grave s'ils réussissent pas, puis qu'on leur dit tout de suite, ça se peut que je te le fasse refaire 30 fois. C'est pas ça. L'idée, c'est plus le process qu'autre chose. Donc, on va les mettre dans des contextes ou encore avec des clients qui sont des vieux clients, qui ont confiance en nous, qui sont d'accord de travailler avec le stagiaire ou encore avec le nouveau. Ça leur dérange pas. Pour pouvoir apprendre à se paramétrer, puis rapidement savoir. Donc, on les met dans des contextes où
même s'ils ne réussissent pas, en fait, c'est un succès parce qu'ils ont appris. Donc, moi, quand j'ai un nouvel employé et qu'il, par exemple, après un mois, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, en fait, je lui reproche. Parce que je lui dis, t'as pas assez essayé. On n'a pas eu la chance de te connaître. On ne sait pas exactement t'es qui. Parce que quand on réussit, c'est la même chose en start-up, hein, quand on parle du fit to market. Ben, si j'ai réussi à vendre un client une première fois, mettons, ça fait, je sais pas, 3 mois que j'existe en start-up, j'ai réussi, c'est super, mais je ne sais pas pourquoi j'ai réussi nécessairement. Tandis que si je n'ai pas réussi comme ça, j'ai pas réussi comme ça, ça fait comme un lay of the land, ça fait comme un périmètre, et on sait que ça, c'est notre espace de fit to market. Ben, c'est un peu la même chose. Un employé, ben, on est tous différents, donc c'est quoi mon espace de jeu avec cet employé-là à ce moment-ci pour pouvoir lui donner des nouvelles tâches puis vraiment lui permettre de s'émanciper puis vraiment développer tout ce qu'il est, tout son potentiel. L'impact que ça a, c'est que ça crée des talents comme innés. On découvre des talents innés, des choses que les gens ne savaient pas. Vous avez vu Angélique au début. Angélique, elle ne savait pas qu'elle aimait la gestion, en fait. Elle a appliqué pour être dans un poste de marketing. Finalement, elle a fait de la vente. Elle a trop aimé ça, mais plus elle allait, plus elle gérait les autres. Alors, finalement, elle s'est retrouvée en coordination. Donc, cette espèce d'idée-là de pouvoir vraiment développer un individu là où il est rendu dans sa vie à ce moment-là et pouvoir faire tourner les tâches. Pour pouvoir réussir à faire ça, c'est pas n'importe qui, d'ailleurs, qui peut travailler là. Donc, il faut des gens qui aiment vraiment l'évolution. Donc, autant au niveau du supérieur que de l'employé, ben, on veut pas des gens qui ont un gros égo, parce qu'il faut être capable d'écouter le feedback, puis de s'améliorer, surtout quand on est en savoir-être. Le feedback, c'est un peu plus dur, des fois. Et puis, aussi, il faut être capable de travailler sur... on veut pas que le gestionnaire, non plus, fasse de pression, ait une mauvaise relation, quoi que ce soit. Puis le gestionnaire, parfois, lui aussi, a un feedback de la part de son employé sur sa façon de gérer. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette culture-là, selon moi. On a un principe de table ronde, justement. Quand je vous dis que, tu sais, j'ai eu la chance dans mon passé d'avoir, de faire la tournée là, de toutes sortes d'entreprises, de voir plein de pratiques. Moi, j'aime bien les organigrammes qui travaillent le plus possible à réduire, puis à horizontaliser, puis à transversaliser. Donc, on a un principe de chevalier de la table ronde. C'est quoi? C'est quoi les chevaliers de la table ronde? Ben, c'est tout le monde qui travaille ensemble pour une vision, mais il y a quand même le roi Arthur qui tranche. Donc, sur chacun des sujets, chacune des missions, chacun des chantiers qu'on leur donne, on identifie c'est qui le roi Arthur finalement, et puis ben, là-dedans, on est chevalier et ça m'inclut. C'est-à-dire, par exemple, sur certains sujets dans l'entreprise, ben, j'ai plus de compétences assez fortes. Hein, je ne sais pas trop, je ne peux pas trancher. Un bel exemple, c'est quand ils ont voulu ouvrir le compte Instagram. On était en B2B, moi j'ai dit Instagram, ça ne sert à rien, je pense. Mais ce n'était pas mon domaine, ce n'était plus mon domaine. Je suis comme has-been, là, j'ai eu 40 ans, je suis super vieille. Et je ne comprends plus ça. Et puis, je suis super contente parce que c'est notre média qui a le plus de progression. Donc, il faut vraiment parfois décider c'est qui a ici le veto, c'est qui tranche, et s'en remettre à cette personne-là. Ça fait que de temps en temps, ben moi, je suis en dessous de quelqu'un sur un sous-sujet, puis des fois, je suis au-dessus. Ça fait qu'en fait, en général, ça favorise l'émancipation, mais aussi, ça fait que c'est pas grave quand t'as pas décidé. Ça enlève la pression, parce que dans un autre contexte, ça sera toi qui vas décider, c'est toi qui vas trancher. Donc, ça crée une espèce de détente, finalement, au niveau de l'équipe. Et puis, ça fait que tout le monde se sent à l'aise. Premièrement, se sent à l'aise de communiquer. Donc, on a un principe de « divergent commit ». Quand on t'invite à une rencontre pour parler d'un sujet, à la fin, on va prendre une décision. C'est là où tu parles ou après, ben, c'est comme un mariage où taisez-vous à jamais. C'est un peu ça. Donc, on fait ça comme ça et puis après, on n'en parle plus. Et ça fait que l'équipe, comme ils n'ont pas de petits ressentiments, parce que plus tard, ça sera leur tour de trancher, ben, ça ne leur dérange pas. On dit maintenant, on fait comme ça. Ils font OK, maintenant, on fait comme ça. Donc, chez My Smart Journey, la gestion du changement, c'est une minute environ de travail. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment un principe d'implication. Et puis, pour terminer, ben, comme je parle de... Là, je vous dis, ben, là, tout le monde peut aider tout le monde. Des fois, c'est ton tour, des fois, c'est pas ton tour. Ben, ça prend du temps. Hein. Donc, on a vraiment un principe de 20 % du temps. Donc, la semaine, quand on dispatche les tâches, on y va sur un 4 jours parce qu'on sait qu'il y a une autre journée où est-ce que les collègues vont s'entraider entre eux. Par exemple, il y en a une qui est une ancienne journaliste. Elle est super bonne pour la révision. Ben, quiconque dans l'entreprise a besoin d'aide de révision, on a tendance à aller vers elle. Ou encore, par exemple, on avait une jeune stagiaire qui rentrait, mais était anglophone de naissance. Donc, je sentais que l'équipe avait besoin de monter en compétence sur l'anglais. Donc, je lui ai demandé de faire des journées, des ateliers de conversation anglaise. Et puis, c'est elle qui les gérait, c'est elle qui préparait les thèmes, etc., puis qui corrigeait.
Donc, on est plutôt dans une logique biologique que mécaniste. Hein. Si on met un grain de sable dans un engrenage, ben, ça arrête. Mais si on en met sur une huître, ben, ça fait une perle. Donc, c'est ce principe-là que l'entreprise devient finalement un écosystème, un organisme qui s'adapte à tout. Et puis, nous, on est en tourisme. Hein. Je vous donne une idée. On a comme eu la pandémie, tricote, détricote, le tourisme, ça dépend du climat, ça dépend de la politique, ça dépend de l'économie. Donc, c'est vraiment un milieu difficile où il a fallu qu'on se réajuste. Nos clients n'ont pas arrêté de changer. Donc, il fallait une chance que j'ai investi là-dedans parce que mon équipe, il fallait qu'elle soit souple, adaptable, flexible pour pouvoir réussir à passer à travers toutes ces étapes-là. Puis donc, d'ailleurs, entre autres, une des choses qui caractérise ce qu'on fait, ben, c'est que la première chose qui est écrite dans les contrats de travail, c'est, normalement, on écrit plein de trucs, à la fin, on met « et toute tâche connexe », mais en fait, c'est le premier truc en haut. Donc, on avertit bien que ce qui doit être fait va être à faire. Et voilà, je vais aller à la prochaine. Rapidement, comment on fait ça? L'onboarding et l'apprenticeship, c'est deux méthodologies qu'on a développées chez MySmartJourney, qui nous tiennent beaucoup à cœur. Quand les gens arrivent, ils vont pouvoir tester toutes sortes de trucs. On leur laisse plus ou moins tester dans presque tous les départements quelque chose. Comme on a une culture tournée vers le client, tout le monde doit faire la formation de vente et appeler des clients et parler avec des clients très, très tôt. Très rapidement, ils sont obligés de travailler aussi avec créer une expérience basée sur le contenu avec notre outil, parce que ce qu'on veut, c'est que leur faire comprendre le contexte. Parce qu'après, quand ils vont arriver avec des idées, ils vont devoir prendre des décisions, ils vont arriver avec des inputs, ben ils comprennent le contexte. Je m'étais inspirée de Michelin, entre autres, qui fait que tout le monde qui rentre chez eux, tout le monde fait son pneu le premier mois. Donc, c'est cette idée-là. Et une des façons d'apprendre, c'est aussi le shadowing. C'est-à-dire que chez nous, on a une culture de la porte ouverte, que ce soit physique ou encore dans les salles des employés. On a des salles virtuelles, bien sûr, ça c'est chacun son bureau. Et on peut débarquer, donc les plus jeunes peuvent juste s'ajouter à l'horaire puis faire partie des rencontres. Donc on a un principe de shadowing aussi. Donc ils vont travailler dans la même salle, par exemple, que moi, pour m'écouter, discuter avec d'autres gens. Donc on apprend par kinesthésie, on apprend parce qu'on est là, on baigne dans le truc. Donc ça permet de vraiment apprendre aussi comme ça, puis de sentir comment les ondes font, ça transmet l'énergie quand même. Un autre truc dont on est super fiers, c'est l'apprenticeship. On l'a fait pour les stagiaires. Donc, si vous scannez le code QR, vous allez tomber directement. C'est presque un manifeste. Je le lisais ce matin, j'étais comme ça, on dirait que c'est un manifeste. On remet ça pour attirer des stagiaires. D'ailleurs, on adore les stagiaires. S'il y en a d'Audencia par ici ou une autre, l'école de design, on est intéressés. En fait, finalement, les jeunes professionnels aussi, c'est juste le onboarding, ça va être un peu moins long, tout ça. Mais souvent aussi, mes seniors le demandent parce qu'ils trouvent ça cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me fais souvent parler de ces points-là. Donc, je les ai mis. Ben, premièrement, une journée complète avec moi, même si par hasard, je rencontre mon banquier ce jour-là. Vraiment là, une transparence, une possibilité de vraiment comprendre qui je suis, parce que je veux pas l'entreprise est teintée par ma personnalité puis qui je suis. Avoir accès à des réunions stratégiques, c'est-à-dire peut-être ils sont pas rendus au point où ce qu'ils pourraient faire ça normalement, mais il faut quand même leur donner un point focal, une espèce d'étoile polaire pour savoir vers où ils se rendent, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont être plus grands, quand ils vont être plus professionnels. Donc ça ressemble à quoi plus tard. Donc c'est comme ça les aligne bien. On leur permet aussi, quand on n'a pas d'urgence, de faire le first take, c'est-à-dire on apprend qu'il faut faire on a un chantier à faire. Un jeune peut dire « Est-ce que tu me donnes une semaine pour faire, moi, ma proposition? » Donc, on leur donne la chance de pouvoir se mouiller. On leur libère du temps pour ça. Et puis, on a des super belles surprises là-dedans. Et bien sûr, on travaille beaucoup à donner des formations complémentaires, des ateliers. On va payer des gens de l'externe ou quoi que ce soit. On va les envoyer en formation, en trade show, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on a une philosophie de doers et on veut que chacun devienne vraiment responsable de ses résultats. Mais vous le savez, pensez à tout ce que vous avez à réaliser. Si je vous dis, fais-moi tel projet, ben, souvent tu dis, ouais, je suis super bon là, mais j'ai des trous. On a tous des trous. On ne peut pas être bon sur l'entièreté d'un projet. Donc, de cette façon-là, chacun a comme son équipe à lui, sur mesure, en fonction de leurs besoins. Juste pour le fun, c'est un fun fact, mais on a réalisé qu'en faisant ça, on développait des humains complets qui aimaient vraiment toucher à tout. Puis justement, au début, on avait des départements, puis on leur fusionnait, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que quand tu touches un peu à tout, tu deviens un meilleur conseiller pour ton client rachète plus, tu sais mieux vendre au prochain, ainsi de suite. Donc, une espèce de cercle vertueux quand tu comprends vraiment l'entièreté de l'entreprise. Puis dans une entreprise qui est en constante évolution, c'est un plus d'avoir des employés qui ont cette espèce de vision-là large. En tout cas, pour moi, ça me décharge parce qu'ils sont capables de prendre des décisions quand même assez poussées.
Je parlerai pas de ça comme ça, mais on a différentes méthodes que j'ai présentées. Je vous présentais un peu comment on fait les offres d'emploi aussi. On prend le temps de dire qui on est, à quoi on croit, comment on pense. Parce que c'est pas tout le monde qu'on veut qui rentre chez My Smart Journée. On veut vraiment les choisir. Alors, j'ai une minute. Je veux juste vous dire que notre processus d'embauche est un processus d'embauche qui sert à filtrer ces gens-là. Est-ce que j'ai 2 minutes de plus? Pas sûr. On va tester des choses. Donc, je vous ai mis le genre de questions qu'on met. Mais par exemple, j'aime bien celui pas d'ego. On leur dit comme ça au milieu de... Comme ça, en passant. Le dernier qui rentre, c'est lui qui s'occupe de la toilette et qui va acheter le café, OK? Et là, le petit 2 secondes, là, on regarde leurs yeux, là. Et c'est là qu'on décide si on arrête le processus ou pas, parce qu'on veut des gens qui sont qui n'ont pas de problème avec ça, des gens qui ne pensent pas qu'ils sont au-dessus des tâches de base. Même moi, je la lave la toilette en passant, je l'ai faite la semaine dernière. Donc ensuite, on essaie de savoir qui ils sont, donc on essaie de vraiment comprendre parce qu'on sait que c'est des leviers de succès pour les aider. Et on leur donne tout. Le processus est très long et complexe, il y a plusieurs étapes. On les dérange un peu, on les appelle à des drôles d'heures, on leur donne un rendez-vous à 11h30, puis on les laisse pas aller manger. On essaie de voir comment ils réagissent, comment ils peuvent survivre un peu à un environnement un peu plus stressant. Donc, la contrepartie, c'est super agréable de travailler chez My Smart Journée, mais quand même, c'est une start-up. C'est sûr qu'il y a un point de stress, donc on essaie de voir, on veut avoir des gens qui sont prêts à ça. Donc, je termine en vous disant que My Smart Journée, en fait, n'importe quelle équipe, qu'est-ce qui permet de faire ça? Bien, c'est la force de l'équipe. Donc, tu ne peux pas réussir ça sans amour. C'est quétaine, là. Mais, c'est kitsch à dire, mais tu ne peux pas réussir ça si tu n'aimes pas tes collègues. Quand tu dois avoir un feedback sur ton non-verbal ou ton savoir-être ou quoi que ce soit, ou encore quand tu dois demander de l'aide, tu dois poser des questions, tout ça, bien, ça dépend vraiment. C'est une question d'être bien avec les gens avec qui on travaille. Donc, on n'embauche pas juste des gens compétents, mais des gens qui fitent dans l'équipe, puis qui on sent qu'ils vraiment habitent les valeurs qu'on a, les habitent aussi. Donc, la première chose qu'on vérifie, c'est le fit de valeurs. Et voilà. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez recevoir les slides et tout, puis je répondrai aux questions en dehors. Merci.